Maintenant, ouais, tu peux. Je me demande ce qu'elle a trouvé cette fois pour se casser. Hop. Ah, elle est peut-être là-dedans. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon nid? Oh. Oh, pardon, je ne savais pas que c'était chez vous. Dans celui-là, il n'y a rien en tous les cas. Peut-être dans un autre. Oh, ça arrive pas sous le couvert. Oh, et là. Ah, encore rien. Ça y est, c'est trouvé, Maya. J'ai fait comme dit ce proverbe avec très connu. Terre, si tu trouveras. Aide-moi à sortir, Willy. Tire, tire plus fort. C'est mieux ça, j'ai tout fait. J'avais demandé à la punaise des bois de me cacher, mais je ne savais pas que c'était si étroit. C'était pas fait pour abeilles. C'est pour mes enfants, il faut les y remettre. Là où les couvercles ne bougent pas, c'est qu'il y a des larves. Elles ne sont pas encore écloses. Puisque la famille est au complet, je vais en profiter pour vous montrer comment on aspire le suc des plantes et des graminées. Venez, les enfants. On vient. Je comprends maintenant pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir. Les petits étaient encore. Tu vas voir, Willy. Cette fois, je me cacherai de telle façon que tu ne me trouveras pas. Oh, mais dis donc, c'est mon tour de me casser. Oh, laisse-moi encore une fois. Oh non, c'est toujours pareil avec toi. Quand c'est mon tour, c'est mon tour. Il n'y a pas de raison. Oh. C'est le faire. Ouais. Oh, ça donne le vertige. Et elle n'a pourtant que deux pieds. Gauche, deux, trois, quatre, un, deux, oh! Il n'y a pas à dire, c'est les macarons qui lancent le mieux. C'est pas mal, je crois. Oh, bravo, bravo! C'est épatant. C'est du bon travail. C'est de la très belle danse, cher papillon. Bravo, 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 bravo! Merci, chers amis, merci. J'ignorais que je dansais devant un public de fins connaisseurs. Vous dansez heureusement bien et vous êtes vraiment belle. Mademoiselle Macaron est la plus belle du Prococlico, c'est vrai. C'est une créature superbe. Oh! Si je m'écoutais, je tomberais amoureux d'elle. Moi, je suis en admiration devant elle. Je dois dire que je suis confuse devant tant de compliments. Je ne connais pas grand-chose à la danse, mais c'était vraiment très joli. Oui, j'avoue que chaque fois que j'ai dansé quelque part, j'ai toujours eu pas mal de succès. Je comprends. Ne vous montez pas trop la tête, je connais quelqu'un de plus joli que vous qui danse mieux. Oh. Vous montez, quelqu'un de plus joli que moi et qui danse mieux, ça n'existe pas. Oh. Mais enfin, puisque je vous le dis... Max, qui est plus joli que Mademoiselle Macaron? Dis-le-nous. Oh oui, dis-le-nous. C'est la chenille arpenteuse. Quoi? L'arpenteuse? Oh, tu trouves la chenille arpenteuse jolie, toi? Opinion toute personnelle. Elle ne sait pas voler, je vous l'accorde, mais quelle fière démarche élégante et souple.
C'est à se demander comment elle arrive à se cambrer comme un point d'interrogation. Oh, je trouve cette façon d'avancer sublime. Il y a vraiment de quoi bien rigoler. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Moi non plus, je ne trouve pas que sa beauté casse trois pattes à un canard, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour se moquer d'elle quand même. Si l'on considère la penteuse comme elle, je pourrais, je sais pas moi, prétendre au titre de reine de beauté de la forêt. Je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. C'est moi la plus belle, vous êtes tous d'accord. Oh, mais vous n'êtes pas un papillon, vous êtes une dame prétentieuse. Je trouve Monsieur Millepattes infiniment plus séduisant que vous. Elle me trouve séduisant. Elle a raison. Je trouve que certains devraient se décider à porter des lunettes. Nous, les psychés, admirons beaucoup les Millepattes. Cette agilité qu'ils ont en marchant avec leurs innombrables pattes fait qu'on est obligé de les admirer. C'est vrai. Nous marchons bien. Mais tant de pieds demandent de l'entretien. Ça me fait penser que je n'ai pas encore pris mon bain de 1000 pieds. Il est déplaisant avec sa vantardise. Regardez. Oh, il faut dire que quand on voit évoluer notre amie la libellule, elle non plus ne manque pas d'élégance. Ouais, c'est vrai. Vous ne nierez pas que c'est tout de même moi la plus élégante. Mais il est grand temps de mettre fin à cette légende. Moi, je trouve que Mademoiselle Macaron est la plus belle. Ah, si les larves se mettent à parler beauté. L'arpenteuse est la plus belle. Chacun a son idée de la beauté. Comment peut-on discuter si quelqu'un est plus beau qu'un autre? C'est une question de goût. Je pense que Maya doit avoir raison. Que chacun dise s'il me trouve la plus belle. Figurez-vous que pour une fois j'ai une idée. Oh. Pour savoir qui est le plus beau de notre pré, je propose que nous organisions un grand concours de beauté. Oh. Hmm? Ton idée est absolument du tonnerre, Willy. Oh, dans ce cas, il faut que j'aille chez le coiffeur. Oui, ça va mieux, oui. Comme s'il y avait besoin d'un concours pour reconnaître que je suis la plus belle. Comme ça, personne ne pourra plus contester. Oui, c'est ça. Alors, coccinelle, pas encore chez le coiffeur? C'est-à-dire que je... N'est-ce pas? J'ai une question à vous poser. Oh, posez-la, je vous écoute. Voilà, n'est-ce pas? Il y a déjà très longtemps que je voulais vous le demander. Bon, d'accord, mais posez-la vite, votre question, parce que je suis assez pressée. Eh bien, voilà, n'est-ce pas? Ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est comment vous faites pour être aussi belle, Mademoiselle Macaron. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh, indiquez-moi le secret de votre beauté, je vous en prie, Mademoiselle. Oh, 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 oh. Oh, c'est trop drôle. Vous avez peut-être la prétention de devenir aussi belle que moi. Oh oui, j'aimerais. Oh, il faut pas m'en vouloir, mais l'idée qu'une coccinelle puisse rêver de devenir aussi belle qu'un papillon me fait pouffer de rire. Oh, vous devriez aller jusqu'à l'étang le plus proche pour vous mirer dans l'eau. Oh, il y a des gens qui ne se voient pas tels qu'ils sont. Tu es un peu trop sûre de toi. Tu vas voir. Oh, 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 oh. Quand cette pimbèche verra que je suis aussi jolie qu'elle, son envie de rire lui passera. Moustique. Je suis moustique. Hein? Je pique. Vous ne me dites plus bonjour. Je pique. Partout. Ah, bonjour, excusez-moi. Je suis moustique. Je pique. Ouais, je pique. Je me suis rabattu sur mes 1000 pattes, sur mes 1000 pattes, dont tout le monde est jaloux. Ah, bonjour, Flip. Comment va la petite santé? Que dis-tu de mes 1000 jolis pieds? Qu'est-ce qu'ils ont, ces pieds? Mesdames, mademoiselles, messieurs, le concours de beauté commence! Il est ouvert à tout le monde! Ouais, à tous ceux qui se trouvent beaux. Flip, tu t'y es inscrit? Oh bah, ça va de soi! Je déclare le concours ouvert! Nous commençons! Oh, je comprends, c'est le concours de beauté! C'est pour ça qu'ils sont excités! Je n'ai pas remarqué de beautés exceptionnelles par ici! Et yop! 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 Yop!
Ainsi que Maya vient de vous le dire, nous commençons immédiatement. En avant pour le premier concours de beauté de notre cher préau Coquelicot. Alors voilà, le concours est ouvert à tous ceux qui habitent ici depuis plus de 15 jours. Allons-y, commençons. Oh oui, 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 oui. Musique, messieurs, s'il vous plaît. Oh! Où ont-ils appris le violon, ceux-là? Mais enfin, pourquoi ils se sauvent? Je suis venu leur faire entendre de la bonne musique. Même mon jeu de virtuose ne les retient pas, ces idiots. Ils préfèrent une fanfare de village. Cette tête-là joue du violon à faire grincer les dents. Il ne manquait plus à notre concours que cette vieille toupie. Allons-y maintenant. Que celui ou celle qui s'estime beau et qui a le courage de le dire se présente à nos suffrages. Quelques applaudissements, je vous prie. Allons, les amis. Et maintenant que le meilleur gagne. Elle se présente aussi. Mais oui, après tout, c'est parfaitement son droit. Applaudissons le candidat. C'est très bien. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. Il y a des choses qui surprennent. Oh, mais après tout, pourquoi pas lui, hein? Suivant. Elle est superbe. Vous êtes bien de mon avis? Ah! 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 Ce n'est pas le moment de grignoter. Vous exagérez un peu quand même. Mangez pendant un concours. Quand j'ai le trac, je ne peux pas m'empêcher de grignoter. Comportement bizarre. Enfin, à la suivante de ces dames. C'est mon tour, je suis là depuis longtemps. Hein? Hein? Oh, je vous demande pardon, mademoiselle Le Puce, ce que je ne vous avais pas vu. Ah non, vous devez rester sur le podium. Oh, si j'avais su, j'aurais apporté une loupe. Que celui qui prétend sauter plus haut que moi se montre. Je crois qu'il y a erreur. Il ne s'agit pas d'un concours de saut. Mais d'un concours de beauté. Oui. Je sais. Mais mon saut n'est-il pas beau? C'est... Je considère que la beauté des traits est tout à fait secondaire. Quelle drôle d'idée, ça. À mon avis, dans un concours qui est justement un concours de beauté, ça me paraît essentiel. Enfin, continuons. Voilà qui est déjà mieux. Un candidat qui nous fait honneur. S'il vous plaît. Oh, la ravée s'en tremble. Il y a de très jolis coléoptères dans le coin, hein? Oh. Oh, quand je vois ça, je me sens très laide. Ouais! Très bien, au
suivant. C'est bizarre. Ah, bah, c'est une candidate tout à fait ravissante. Enlevez cette couronne, vous n'êtes pas encore Miss Pré au coquelicot. C'est une présentation déloyale et inacceptable. Faites une petite exception, elle me va si bien. Non, les candidats portant une couronne ne sont pas admis à concourir. Ôtez-moi ça tout de suite. Ne me touchez pas, petit voyou. Vous êtes disqualifié. Vous n'avez plus le droit de concourir. Oh, je m'en fiche, j'irai où je peux porter ma couronne. Ne fais pas d'histoire, viens, tu n'as pas à avoir de complexe. Que se passe-t-il ici? Je n'arrête pas de lui dire du matin au soir qu'elle est la plus belle et ma fille n'en est pas encore persuadée. Allons, cesse de faire ta mauvaise tête. Non, maman, je peux pas. Oh. Qu'elle décide, enfin, votre fille se présente ou elle se présente pas? Non, je peux pas, je suis pas assez belle. Vous n'êtes pas si mal que ça, mademoiselle Isabelle. Mais oui, allez. Non, je veux pas. Bon, j'y vais. Formidable. Oh, c'est point 6 étoiles, mais comment elle fait? Vous voyez bien, est-ce que je n'avais pas raison? Quelle horreur, ça doit être le trac. Ah, à faire des vents en scène, allez. Heureusement que Puck s'en est aperçu, sinon on était tous asphyxiés. Que veux-tu que j'y fasse? C'est comme ça que nous sommes. Nous, les pauvres punaises des bois. Ah, je le sais. Ouais! Et voici la candidate suivante! Allez, maigrissonne tes pattes, mais elle est belle! Tournez-vous, voilà! Que j'allais gagner. Bravo! Un tel manque de modestie est très antipathique. Elle pourrait au moins faire semblant. Sauf qui peut! Sauf qui peut, tout le monde! Sauf qui peut! Heureusement terminé. Voilà ce que c'est que d'être beau. On a du succès partout, même auprès des grenouilles. Elle boude, Flip. Vous voulez que je vous dise? Si la grenouille s'en est pas prise à vous, c'est que vous manquez d'attrait. Vraiment?
Bien sûr, si vous étiez aussi resplendissante que Mademoiselle Macaon, la grenouille vous aurait remarqué et avalé. Et maintenant, vous seriez dans son estomac. La laideur a ses avantages. Oui, peut-être. Mais malgré tout, j'aimerais être aussi belle que le papillon. À quoi ça sert d'être beau? Ça ne peut même pas vous protéger. Et puis on trouve toujours chez les autres quelque chose qu'on n'a pas soi-même. Tenez, mes ailes ne me servent pas à grand-chose, mais mes jambes sont puissantes. Vous avez des ailes qui vous protègent de la pluie. La petite Macaon, par contre, a intérêt à ne pas s'exposer à la pluie, elle. Dans la vie, il faut savoir se contenter d'être ce que l'on est. Yep! Ah, autre chose. Willy, dis bien à Maya de ne jamais s'approcher aussi près de la grenouille. Yep! Dis, Willy. Malgré ce qu'a dit Flip, tu ne trouves pas que je suis bien de ma personne? Pas aussi jolie que le papillon, mais pour une coccinelle, ça peut aller. Ah. Willy, Willy! Viens, madame Maya, avec mademoiselle Macaon qu'elle a sauvée. Viens, Willy. Notre ami le papillon nous invite à boire une coupe de nectar de fleurs d'orchidée. Je viens bien volontiers. Seulement attendez-moi quelques instants. Imaginez-vous, et vous le verrez dans notre prochain épisode, que Maya s'est mis dans la tête de survoler un grand lac et d'y faire même du canotage. Mais sur le lac, elle va rencontrer non seulement Jimmy, une gentille araignée d'eau, mais un gros méchant poisson. Le gros poisson va essayer de les croquer tous les trois, c'est-à-dire Maya, Jimmy et Willy, qui, cela va sans dire, est de la partie. Et ça ne se passera pas tout seul. Il y aura de l'angoisse, de l'aventure et du rire. Que voulez-vous de mieux, hein?